tout existe. C'est bizarre parce que je crois que j'avais testé et j'avais vu des sous-titres. Alors c'est peut-être dans ma tête. J'ai vu des sous-titres dans ma tête en fait. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement. On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. J'ai dit que je jetais le bébé par la fenêtre. Et non, on va pas faire ça. Alors, par contre, tu me gênes là. Tu veux pas... Tiens, je te pose là. Alors je sais pas si on peut réactiver d'ici. Apparemment si. Si je mets non. Dans le four. J'avoue que dans le four au moins il sera au chaud. Ta ta la ta ta la 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 la. Des blagues. Les blagues d'humour noir. Bah je l'ai jamais acheté, Charlie. J'ai acheté Ruth. T'approche pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Non, mais c'est pour montrer au bébé, là.
le potage. Qu'est-ce que tu fais, Ethan? Je fais rien. Je trempe le bébé dans la sauce. Alors du coup, si je fais ça, et je réactive pour voir. Le chat dégage. Merci. Mon chat aussi fait de la merde. C'est que mon chat est meilleur prankeur que vous, hein. Je fais tomber des trucs derrière moi. Alors, donc on joue Ethan, le même perso que dans les recettes. Eh, tu veux pas lui lire plutôt ABC, My First Book? C'est pas mieux que ton histoire là qui fait flipper là. Bon, en même temps, je sais pas si vous avez eu, quand vous étiez enfant, des contes pour enfants, mais moi les miens ils étaient Serious Business aussi. Hein. C'était limite les contes de Grimm. Hein. Parce que normalement c'est ça. Hein. T'as par contre ils ont une baraque de ouf là. Ethan, t'as changé. Ah, ça c'est bien pour pas que je vois mon gros flet. Donc on est toujours des vampires, c'est ça? Attendez, ça c'est. Non, ça c'est. C'est là où on le met au lit. Du coup, je vais checker ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il aime pas qu'on compte l'escalier. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. C'est parce qu'il y a une croix, il y a une croix chrétienne en haut, tu vois. Le bébé, on s'en rapproche, il est pas bien. Je prends ma douche, chérie, avec le bébé. Non, apparemment, il n'y a pas de soucis. C'est vraiment bizarre, hein. Toujours un homme sans visage. Ouais, ouais, après. En fait, Ethan, quand vous êtes en vue FPS, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on est censé s'identifier au personnage. Donc, en fait, Ethan, finalement, c'est pas. C'est pas vraiment un personnage chez nous, en fait. Et oui, on a un enfant, les gens. Il va falloir qu'on s'en occupe. Oula. Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Horn of Plenty, facing. C'est quoi ce bruit? Il y a déjà des bruits de la maison. Ah, c'est ça, non, qui a fait du bruit? Ah! Ça rappelle des souvenirs, ça, les recettes. Ethan est moche. Chez. Bon, on voit pas sa tête, donc ça va. Est-ce qu'il y a des trucs à regarder? On y est presque, ma puce. Ah bon? Je crois que c'était au rez-de-chaussée. Ah non, c'est ici? Non, c'est pas ici. Ah si, si, si. Je crois que c'était au rez-de-chaussée. Alors du coup, j'ai pas suivi parce qu'en fait, en gros, c'est sa femme de R7. Parce que c'est pas très bien passé dans R7, hein. C'était un petit peu... Elle fait peur quand elle est fâchée. Ouais, oui, en effet. On était plus proche du divorce, hein, dans les recettes. Hein. Parce qu'à coup de tronçonneuse... Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. C'est quand même battu avec elle à coup de tronçonneuse et à coup de balle dans la tête, donc je... Pour moi, le divorce, c'était... c'est bon. Le mariage était consommé, le divorce, c'était la suite logique. Je peux tourner? Non. Si. Parfois, ils disputent sans rapproche, ouais. Surtout quand ta femme essaie de te tuer avec une tronçonneuse et que t'arrêtes ta tronçonneuse avec tes doigts, enfin, avec ta main. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Je peux changer la musique? Vous entendez bien le son du jeu? Ça va? 6 février 2021. On s'est encore disputé, Mia et moi. Ah bah c'est bien Mia. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Du coup, elle a sorti la tronçonneuse.
Non, apparemment non. Non, apparemment non, hein, parce que... Vous voyez, là, c'était il y a 3 ans, les incidents de recettes, apparemment. Donc, les événements où on a tué toute sa famille. Vous vous souvenez? Alors, maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. À Paris? Est-ce que vous êtes à Paris? J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si de rien de tout ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé, pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien ça. Bon, ça va, au moins il lui a pas donné un nom de voiture chez le concessionnaire, vous voyez, Mégane ou un truc comme ça. Donc ça va, je respecte Ethan. En tant que parent, on lui doit bien cela. Et je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Explosé ? Comment ça a explosé ? Comment ça a explosé ? Je veux dire que quand elle a sorti l'enfant, il a fait... elle a poussé tellement fort que ça a explosé. Je crois qu'il y a un problème de trad française, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, le jeu est beau, hein. Si magnifique. Sauf que bon, pour l'instant, les miroirs, bon... Voilà, je suis obligé de retirer un point, il n'y a pas de miroir. Donc 19 sur 20. Ouais, il tourne bien, apparemment. Il tourne bien. Le bébé serait déjà mort si c'est moi qui jouais. Ah, ça, c'est les doubles portes, ah oui. C'est les portes qui s'ouvrent dans les deux sens. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, bat les pâtes. Comment ça, bat les pâtes? C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement Chris militaire... Entraînement militaire si vite. Mais... Pardon? Moi, on est ensemble. Pardon? Toi, moi, Rose... Maintenant... Je suis sûre que tu vas... Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Wow! Putain, elle a Mia. Pas bougé. Baisse-toi. Mais... Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? J'avoue, le vin. Avance! R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Donc le scénario, c'est que Chris, il est jaloux de nous et du coup, il tue notre femme, c'est ça? Comment ça se passe? Il est jaloux de notre bonheur? Parce que Pierce, il est mort et que Wesker, il est mort, donc il a plus de petite amie. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera.
Par contre, t'es costaud, Mia, hein. C'était le docteur. On a encaissé la balle sans broncher et après, c'est pris la rafale. Allez. La blague de Mia. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. Oh. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Je danse le Mia, ouais. Et oui, en effet, Mia ne dansera plus. Ouais, une petite photo. C'est la merde le dernier iPhone, hein. Ça tient pas la batterie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça tient pas les accidents de voiture. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C. Pour des examens approfondis. En fait, sa femme, d'ailleurs, vu qu'elle était sous l'emprise là, de l'autre, là, elle était pas genre en mode fantastique, sa femme, déjà, génétiquement. Arrête de me les piquer. Quand Rose est née, elle est devenue ma mamie. Ah, c'est les mêmes sons que dans le set. Putain, ils transportaient toutes les archives de l'entreprise ou quoi avec eux? Ouais, t'es déjà infecté en fait. C'est pour ça que la première balle, elle a fait... Je m'en balais avec frère. C'est pris une balle dans l'épaule, genre... C'est tout ce que t'as? Du coup, le mec, il a lancé le chargeur de 30 balles. Juste pour être sûr. Ouais, qui a été recueilli par les Bakers. Par les Bakers. D'ailleurs, moi je vous le dis direct, hein, j'ai préféré sauver sa sœur, hein, Zoé. Quand j'ai joué les recettes. Bon, parce que au moins, bon, sa sœur, elle est pas casse-couille. C'était quoi? C'était un moustique? Ouais, ça l'a un peu piqué, quoi. Du coup, on est en Europe. Donc on est quelque part dans notre Hunter. Ou c'est en anglais, apparemment. En Angleterre? Bon, je pense qu'ils ont mis les panneaux peut-être en anglais, j'en sais rien. Tous les panneaux en anglais. En Russie. Moi, ouais, j'aurais dit les pays de l'Est quand j'avais vu... Pas forcément la Russie. Tu vois, genre la Transylvanie. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire bouffer le fion. Moi. Ah, c'est pas très bon signe ça. Un corbeau avec les viscères à l'air. Ah non, pas qu'un seul. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais je suis dans le. Je suis dans un guet-apens là. J'ai fait ça à des pauvres. Wow! Faut pas être délivré là, le pauvre corbeau là?
C'est un système d'alarme en fait, c'est ça? C'est un système d'alarme perfectionné. Ouais, j'ai entendu le whisper. C'est noyé dans les sons. Mais attends, je comprends pas, c'est des... Je suis entouré de loups qui mettent des pièges à corbeaux. Comment ça se passe? Wow, ça c'était pas un loup ça. Ça claque les sons. Alors déjà qu'il y a plein de sons. Plein de sons de la forêt. Mais attends, mais ils étaient où? Ils étaient en Sibérie, ils étaient perdus. C'est pas une très bonne stratégie de mettre un tapis dehors pour qu'il sèche. Les conneries et tout le monde éricain. Il y a plus d'accent. De quoi? De quoi tu parles les amis? De toute façon les Américains ils te comprennent pas. Pas grave. Ah j'ai fermé le robinet. C'est important. Pour la facture d'eau. Ouais ça bouffait des... Ça savait manger à l'époque. Petite bière. Bruit de la maison. T'as jamais joué aux anciens RE? Ils ont tous des accents. Ouais. C'est vrai. Ça, tu te fais observer par les animaux là. Allons directement dans la cave. Ah, je crois que ça fait longtemps que cette banane elle est morte. Ah de l'ail, c'est important, c'est important. S'il y a des vampires. Oh. Dégueulasse. J'espère que c'était pas sa maman. Sinon je m'excuse. Ah. Oh, il y a un symbole. Qu'est-ce que c'est que ce symbole de ouf? Petit bocal de cornichon. Bon, ça au moins ça dure ad vita aeternam. Ah. J'ai envie d'ouvrir. Ils sont tous ricains en Europe. Ah d'accord, ok. Ça va, ça pose pas de problème. Wow. Je me casse. Qu'est-ce qui se passe, putain? C'est la troisième guerre mondiale ici ou quoi là? C'est pas trop l'enfer au niveau du son? Le truc il a été éjecté quoi. Oh putain. Ah c'est de la fumée. Je suis déjà en PLS hein. Oui. Non mais tu peux... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Mais dépêche-toi. Reste pas sous l'armoire, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Pas de retour possible, ok. Donc ça s'est réglé. Ah, c'était une sorcière! Regardez, elle a un balai. C'est une sorcière qui habite ici. J'ai la preuve.
C'est quoi ça? C'est une corde à oiseau encore? Bon, on est perdu. Je suis perdu. Et hop, il fait jour, ouais. En fait, vous vous rendez pas compte, mais dans la cave, on est resté 2 heures. Non, mais je pense que ouais, c'était l'aube, quoi. Putain, la crevasse, quoi. Le gros qui est tapant, quoi. On se casse d'ici. Un peu courir. J'ai le droit de courir. Qu'est-ce que je suis ? Oh. Oh. Dark Souls 3. Bien. Alors, je sais pas si tout est modélisé comme Dark Souls. Au loin, là. Ah bah c'est un magnifique shot, attends. On glisse pas vite, tranquille, 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 Ethan, tranquille. On a le temps. Te coupe pas encore une main, s'il te plaît, Ethan. En tombant. Musique épique. Déjà à vous. Oula, c'est dégueulasse. Je crois qu'ils ont un petit problème de... Est-ce que c'est un problème de peste bubonique? Parce que c'est, s'ils sont isolés, peut-être que... Ah merde, les œufs. Ouais, une petite ambiance, là. T'as pas envie de rentrer. Il y a quelqu'un? Peut-être qu'ils sont sortis. Peut-être qu'ils sont sortis au cirque. Et qu'ils ont laissé tout le bordel. Ah ça c'est pas mal, vous voyez les patates là, elles ont germé. C'est ça. Ça va. Je l'ai bien encaissé celui-là. Petit ragoût. Si je t'ai vu, je crois que je ferais un doggy bag. Hein, parce que je suis pas sûr qu'on va remanger de sitôt. Ah ouais, mais attends, c'est récent si la bouffe elle est chaude. Putain, mais attends, mais... Il y a un truc, il a débarqué, il a cassé les poutres, il a cassé le lit. Il a massacré quelqu'un. Il est reparti avec. Ah, attends. Ah, il y a le même symbole. Il est chelou ce symbole, hein. Le début est pas sympa, parfait. J'ai... On peut pas choper une arme, là, parce que... Pour l'instant, je suis en train d'admirer le décor qui est vraiment génial. Attends, je me méfie. Attendez! Il a disparu le cheval! Le cheval, il est où le cheval? Le cheval! Oh putain de merde. Bon, je sens que. Faut pas trop rester ici. Alors, si je marche sur les joues, est-ce qu'il se casse? Non. Je retire un point. 18 sur 20. Ça craint. Hein. Des bruits, c'est plus les bruits de la maison, c'est les bruits du village. Un truc important, hein. Ah, c'est de la bouffe. Ah, il y a un reflet. Ah, regardez. Est-ce que c'est un vrai reflet? Ah, je pense que c'est pas un vrai reflet, mais... C'est pas mal fait, hein. Dans le rétro. Le ragoût est chaud, il s'enfuit, il y a peu. Les gens gentils. Être déformé de son. Non, mais c'est genre. Ouais, là, tu sens que bon. Ils allaient manger quoi. Et ils se sont fait choper quoi. C'est une radio? On va essayer d'aller vers la radio. Bon, finalement, je vais pas aller vers la radio. Si je vais par là, il se passe quoi? Putain, mais le village il a été. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un incendie là, carrément là! Ah ouais, non, c'est un incendie. Oh! Grosse ambiance, hein! C'est
sûr, vous allez voir des trucs que moi je vois pas. Ah, il y a toujours ce symbole de... C'est une secte ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On aurait dit un fœtus... un fœtus de, démoniaque, là. C'est la fête au village. Par contre, ouais, ça, c'est bourré de détails, hein. C'est bourré de... L'ambiance est là, hein. Je vais aller aux chiottes. Je vais m'enfermer. Je vais m'enfermer, je vais attendre que ça passe. Quand on est bloqué par la végétation, ok. On n'est pas cramé, hein. On n'arrête pas de faire du bruit. Je suis en train de voir, est-ce qu'il y a des pas dans la neige? Non, c'est pas des pas. Ah, il y a encore les bandes... Il y a encore le fou avec son sticker jaune. Il y a un truc à faire avec ça. Enfin, hein. Il y a un truc dans le puits. Putain, mais même les animaux, ils se sont fait massacrer. Je suppose qu'il y a... Putain, ils avaient faim, là. Oh, c'est quoi ça? Je vais me faire un massacre, hein, les gens. Je vais même pas le voir venir. Hein. Ah, je suis de l'autre côté. Ok. Ouais, parce qu'ils avaient des œufs. J'ai ouvert avec mon cul. J'ai ouvert avec mon cul. Au secours. Ah, je vais me faire mais choper les gens, je vais même pas comprendre ce qui m'est arrivé. Par contre, ça, je suis pas très sûr que ce soit pour les animaux, ça. Il y avait des chaînes dans la basse-cour. Est-ce que c'est normal, ça? Ça, c'est pas pour des animaux, ça. Hein. Vu la hauteur. Ah, attendez, j'essaie de lire le russe. Je crois que c'est un panneau rouge. C'est écrit avec du blanc. Je pense que c'est écrit... pas de prospecteur. Je crois que c'est ça. Mais je suis pas sûr. Je suis pas un spécialiste du russe. Ouais, merde. Salut Jedav, comment ça va? Ouais, on va s'amuser. C'est marrant qu'ils aient traduit les panneaux, ils auraient dû laisser dans la langue, vu que c'est en Europe, dans la langue d'origine. Ah! Belle décoration! Oui, ça sert à rien d'attacher un animal à la patte, ça sert à rien. Ah! Ok. C'est quoi le principe, en fait? C'est vraiment que la peste revienne, ou... Le délire, c'est que la peste revienne. Par contre, là, il y a quelqu'un qui était bourré et est rentré avec son... véhicule... Workshop. Ah bon? Je l'ai pas vu. Workshop, ici? Graveyard. Ah, c'est encore mieux. Ceremony site. Ok. On va pas y arriver direct. Hein. Les décorations de Noël. Ils ont oublié d'enlever les décorations de Noël. C'est pour ça. Ah, des épis de maïs. On fait pousser les épis de maïs? Ouais, on en fait pousser. Par contre, les bananes, non, je pense pas. Mais... Ah! Il y a un petit mot, attendez, du fou avec le sticker jaune. Alors là, par contre, c'est pas du cyrillique, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça, je vous dis, ça, c'est un médecin qui a fait une prescription, il l'a collé sur la porte, parce que c'est illisible. C'est illisible. Oh, des poules. Les gens, il y a des poules. Merde, je peux pas entrer. Faut massacrer les dernières poules, elles sont encore en vie. Il y a quelqu'un? Hello. Je peux un peu stalker.
écoutez, j'ai pas trop le choix. Hein. Ferme la porte. Ferme la porte, malpoli. Ah, un peu. Ok, c'est bon. Nice. Je peux attaquer les caisses, non? Esquive. Quoi? Ah, c'est pas moi ça. Bon, apparemment, j'ai que le bouton d'esquive. Hein. Oh, couteau, couteau. Oui. Ah. Voilà. Des vrais bails. Bonjour, vous inquiétez pas. Je viens juste pour me nourrir. Alors, est-ce qu'on peut casser les bouteilles? Non. Moins 1 sur 20, 17. J'ai passé à 17. Oh, attendez, il y a un peu de physique là. Ah non, j'ai cru. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un moteur physique, excusez-moi. Faut que je remette le HUD. C'est encore les trucs qui sont pas intuitifs, c'est ça? Parce qu'à chaque fois je retire le HUD, je retire tout et en fait t'en as besoin en fait. Attends, ils ont modifié ou... Oh, la carte. Non, c'est pas ça. Ah. Ah ouais. Faudra m'expliquer la définition de HUD en fait. C'est vrai qu'il est terrible. Wow! Ducat! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Chut! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Pourquoi? C'est tout ce qui reste! Prenez-le! Prenez-le! Ok. Donc apparemment, si je mets pas le HUD, je n'ai pas les sous-titres. Merci Capcom. Donc la langue, on verra après. On fera une petite save. Comme ça, vous profitez du français et on mettra en anglais. Ouais, c'est à cause du HUD apparemment. Le HUD qui dit « Ah, tu veux pas le HUD ? Bah, t'auras rien. » Ok. Ok, si tu veux. Mais putain, c'est quoi cet endroit ? En vrai, Izumi, la campagne rurale, il y a plein d'armes. Encore ? C'est les mêmes doigts que la première fois. Ah putain. Ah. C'était quoi, bordel? Je les bute là. Merde.
Quoi c'était ouf. Putain de ta race. Dans les couilles. Je crois que j'ai plus d'armes. Attendez. Comment j'équipe le couteau, ok. Est-ce que je vous ai dit que je suis un pro gamer? Tout va bien se passer. Vous êtes des enculés, Capcom. Vous êtes des enculés. J'ai gagné! C'est quoi ce bordel? Bon, je crois que la PLS arrive bientôt. Je suis en train de tituber là. Quoi? Des fluides? Des fluides, pardon? Ah, il me faut une plante. Voilà. Tu fais demander. Bon, par contre, là, je me suis fait massacre. Hein. Bon, le flingue à papy, c'est un gun à billes, hein. Je me suis fait massacrer. Il est pas ouf, le flingue à papy. Hein. Par contre, pour les saves, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, faut que je trouve un endroit pour save aussi. Pour les saves manuels. Si ça existe toujours. Bon, avec mon couteau, je vais pas faire le malin. Hein. Je vais pas faire le malin longtemps, je vous le dis direct. Le ball cutter. Toi-même, tu sais. Putain, je me suis fait massacre. C'est abusé. Est-ce qu'on peut choper les poulettes? Où elle est la poulette? J'ai faim. Il y a des save auto normalement. Ah ouais? C'est pas pur. Si je me mets en hard, c'est pas pur manuel. Bon, ça c'était un trash mob. Vous avez vu? Je pense que ça va bien se passer. Ce long play. Ah! Bah non. Déjà con ça. Tout va bien. L'espérance de vie est proche de zéro. Non, putain, c'est une barricade ancienne. Oh, je vais me faire un massacre. Ça me rappelle des mauvais souvenirs des R4. Allez, viens, je t'attends. Il y a déjà un trou où il peut passer.
Attends, ils sont combien là? Je bouge plus. Sinon faut que je me casse. Merde, je croyais que je pouvais lui mettre un super coup. Quoi? Putain, mais j'ai mis ma garde là, j'ai mis ma garde. C'est faux. Ça craint. Précision 30%, je vois pas ce que tu veux dire. T'as t'imagines s'il chope les balles pendant que... Quoi qu'il se passe. Pourquoi il me dit regarde ton carnet. Quoi? Comment ça recharger? Je veux dire aussi que j'ai enlevé la visée auto. Enfin l'aide à la visée. Parce que je suis un vrai warrior. Ça fera de vous des hommes. Ça c'est Capcom. Ça fera de vous des hommes. Putain. Les mecs. Calmez-vous quoi. Le truc il bronche pas quand tu lui mets 5-6 balles dans la gueule. PLS. Ah ça marche pas trop là Kazemikan, ça marche pas trop. Il y a trop d'action là. Il y a le moindre survivant. Venez chez moi. Venez chez Louisa. La maison près des champs. Les survivants. À chaque fois qu'il utilise sa main, j'ai mal pour lui. Il utilise pas ta main gauche. Il est habitué à perdre les doigts, Ethan. Ouah, sa mère. Ok. Où ça? Où ça? Je propose de passer par là. Il y a quoi là-dedans? Ouais, ça craint. Coupe les branches, casse-toi de ce côté-là. Là. On se casse du village. Moi, à ce niveau-là, tu vois, je démarre comme ça, je fais bon, bah,
crois que je vais aller ailleurs. Ah, j'ai plus vu des flèches. Y'a quelqu'un qui tire des flèches. Don't shoot. I'm a human. Bon, bon, on va se faire baiser. J'annonce. Là au fond, il y avait. Putain, j'ai même pas vu s'il y avait d'autres ennemis ici. Non. Ah ouais. Donc je peux pas y aller quoi. Est-ce que je cours chercher la caisse? À votre avis. Si je me fais discret, ça devrait aller. Donc ça c'est pour faire le tour. Ah, mais c'est quoi ce dawa? Ils sont combien? Putain, y'a un cadavre sur le toit. Non, tu m'as pas vu. Non, tu m'as pas vu, c'est faux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce repli stratégique là pour mieux me niquer? On va se faire oublier là? Prends la plante! Merci. Ok. Ok. Quoi, de la farine pour les aveugler? J'ai pas compris. Ah, je peux tirer dessus, non? Ça? Merde, le con! Cassos. Non. Oh 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 oh. Merde, je suis pas mort. Putain, j'ai cru que j'étais mort. Sans déconner. Le coup de hache dans la gueule, je croyais que j'étais mort. Ça va. Attendez. Je transpire pas. Tout va bien. Je suis pas tendu. Waouh! Ah, on va s'amuser, je pense. On va s'amuser. En tout cas, le fusil à pompe, c'est plus efficace. Attends, j'ai pas compris l'histoire du. Quoi? Je croyais où, là? Ok, ça m'a sauvegardé ma partie de tout à l'heure. J'ai pas un soin. J'ai réussi à faire un soin. Ça commence l'organisation. Apparemment, j'ai qu'un produit chimique, donc faut que je trouve une plante. Quand tu gardes, il faut appuyer encore une fois pour repousser. Ah bon? Ah, parce que c'est pas expliqué ça. D'accord, c'est pas que c'est pas bien expliqué, c'est que ça n'a pas été expliqué. D'accord, ok. Bon, peut-être que mes chances de survie sont montées d'un pour cent grâce aux tips de. Aux pro tips de. De monsieur Izumi.
On est passé de 1% à 2% de survie. C'est bien, on a doublé. C'était où les plantes? Je crois que la plante était un peu plus loin, mais... J'étais sûr d'avoir une deuxième plante. Alors le truc, c'est que il y a un fusil à pompe, je suis d'accord, mais un fusil, enfin c'est même pas fermé là. Putain, t'as pas envie d'y aller quoi. T'attends tous quoi. Par contre. Ouais, ils viennent pas tout de suite. Putain, on aurait dit des orques, le bordel. C'est les orques du Seigneur des Anneaux, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ces merdes, quoi. Allez, s'il te plaît. Merci. Ah, il récupère un peu son souffle, quand même. Ok. Alors, si j'ai pas cherché le fusil, qu'est-ce qui se passe? Si je déclenche pas tout de suite la haine de l'étranger. Ils viennent ou ils viennent pas? Merde! Je crois que je les ai provoqués. C'est moi qui me cours après là! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui, je me mets à courir, oui. Mais je sais pas où je vais. Et merde. C'est la merde! C'est la merde! Ça, je peux recommencer? Oui. Wow, 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 bonjour toi. Mais il y en a de plus en plus. Bah allez, tu les énerves. Mais merde, putain. T'es trop réactif. Ok, alors je ne sais pas c'est quoi la suite de la manœuvre. Faut juste que je trouve ce qu'il faut faire, putain. En courant partout comme un con. Apparemment, je me suis défendu. J'ai quand même pris un coup. Merde, je vais pas faire. Putain! S'il te plaît! Putain! Parce que je sais que le coup il va venir, mais tu vois, je suis pas assez loin quoi. Ça me saoule. Mais quoi, t'es en train de. Putain, j'ai la jambe. Je crois que j'ai la jambe cassée. Ça pue! En hard?
À lancer le mode hard direct, tu vois, pour qu'on soit dans l'ambiance. Il y en a de plus en plus. Putain, le bordel, quoi. Je vous ai dit que je suis fou ou pas? Non, j'ai pris un coup. J'ai pris un coup au cul. Ouais, mais c'est Armageddon, sans déconner. Eh, c'est le Seigneur des Anneaux, je vous assure. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je crois que j'ai raté. Eh, je suis deg, j'ai raté un truc pour faire des balles. Là, je te dérange? Oh putain. Sans déconner d'où vous sortez. Ah oui, je l'ai eu. Tout va bien. C'est à cause de Poutine, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre énorme, là, j'ai pas entendu. What the fuck? What the fuck? Pardon? Je vais prendre de la hauteur, je pense. Sérieux? Parce qu'il y a de la bulle. Il y a de la bulle là! Saute ça, saute ça, saute ça. Oh oui, t'es beau. Non, t'es pas beau. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je parle au dev. Hein. Aidez-moi, arrêtez ça. Quoi, il l'a cassé? Non. C'est faux. Il est en train de casser la baraque. What? Non, pas mon plan, pas mon plan. Alors, je suis à combien le record là sur le taureau? Je crois que j'ai tenu 5 minutes. 5 minutes, quoi. Putain, mais what? Le nombre d'actions qu'il faut faire! Je vais tourner comme ça, merde, non. J'ai pas tourné longtemps, j'ai pas tourné longtemps! Pourquoi ils courent partout, ces cons? Oh, 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 oh! Bonjour. Arrêtez vos conneries! Quoi? Quoi? Regardez! Pourquoi? Bonjour! Oh, j'ai mis ma garde.
Mais ils l'ont pas cassé. Pourquoi ils l'ont pas cassé? Je pensais qu'il l'avait. Il y en a de plus en plus. Il est par là? Non, il est pas par là. Est-ce qu'ils ont cassé Normalement ils l'ont cassé, hein. Ils sont rentrés. Ah mais il est pas là là, il vient pas là, le gros là. Il est où le gros? Il est où le gros? Moi j'en ai gros moi. Wouah putain, il y a des ralentissements tellement c'est le bordel. C'est bon, t'es mort? Non, t'es mort, ok, super. Mais descends! Putain, Ethan, je vais te buter! Pourquoi? Excusez-moi. Putain, handicapé d'Ethan quoi. Je m'explique pourquoi, parce qu'en fait les deux joysticks en fait ils servent à se baisser et à se relever. Je sais pas pourquoi. Quoi? Oh putain! C'est pas cool! Ouais, c'était facile, franchement. Il est trop facile sur eux. What? First try, GG. Je sais pas qu'il y a un combat de boss maintenant. Pas de QTE, s'il vous plaît. Pas de QTE, s'il vous Ça va, ma blessure s'est soignée instantanément. Au niveau de ma jambe. La journée commence bien. Ma soirée aussi. Waouh, magnifique. C'est quand même une sale habitude de se faire croquer les doigts du même endroit. Attendez! Attendez! Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai un succès, bienvenue en enfer. En effet. Je suis assez d'accord. Ouais, donc il va y avoir des grilles, il va falloir qu'on revienne après, en fait. Bon, maintenant, je veux ramasser mes goodies. Qu'on m'a promis, là. Voilà. Est-ce qu'il y en avait là-dedans? Non, pas vraiment. Putain, les chevaux, quoi. Les chevaux, ils ont pris cher. Et t'as l'hiver. C'est ça. Ethan is coming. Winter is coming. Ethan hiver is coming. Fais gaffe. Fais gaffe à ton cul. Tiens, mais vas-y, mets la photo. Je suis sûr que ça a marché. Bonjour. Après, lui aussi, il a pas été contaminé parce qu'il se fait repousser sa main dans. Je voudrais dire qu'il fait pousser sa main, enfin il raccroche sa main. Donc il est un peu contaminé dans l'épisode 7. Hein. Lui aussi, il est mutant. Comme sa femme, hein, normalement. Tu me dis si je me trompe, Izumi, hein, mais. Normalement, c'est le cas. Défonce les chevaux, mais dans la cutscene, il y en a qui.
Il y en a qui les ride. Ouais, mais tu sais, il y a les idiots du village qui sont à pied et il y a ceux qui sont en chevaux. Voilà. C'est des seigneuries, tu vois. Eux, ils ont compris à quoi ça servait, les chevaux. J'ai de l'argent. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Le mec, il se fait embrouiller par une mentaliste, hein, quand même. Depuis que Mère Miranda l'a amené au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici? Elle a refait le même symbole, je pense. Symbole du fœtus mort, là. Qui est stylé, hein, je trouve, hein, la petite peinture. Bonjour. C'est une gerbe de fleurs par mort ou comment ça se passe? Ah oui, on l'avait vu ce tableau là. Sympathique. Hein. Ah, ils ont fait des super. Je sais pas s'ils ont toutes créées. Je pense que oui. Ça, c'est stylé. Parce que ça représente avec 6 ailes là. C'est un petit peu Lucifer quoi. Ah. Ok. C'est chez la vieille là. Du coup, il n'y a pas de save. Je sauve pas à certains endroits. Là si je veux, là, je peux relancer en anglais. Olican, loup démoniaque, légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. Ah, ok. Non, faut save. Ah bon? Oui, non, mais je peux recharger la save auto de cette zone, tu vois. Mais est-ce que je prends le risque? Ou est-ce que j'attends un peu? Oh, un crochet! Les mecs, ils ont aucun tiroir avec une serrure. Même la porte, tu l'ouvres comme ça et il y a un tiroir. Un tiroir avec une serrure. Salaud. Ok. Non, mais tu vois, genre, si je ressors. Là, il save. Et après, ok. Bon. Bon. Écoute, je vais aller jusqu'à la save. Ah, bon. Ah bah, je suis inquiet, hein. Salut Grensad, ah t'as raté une heure de plaisir. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Ah ok, crochet. Client forgé. Porte mécanique, ok. Ah c'est cool hein, ils mettent tout. Ah j'ai même pas vu le cadenas. Attends. C'était ouf parce que... non, je viens d'en bas. Ouais, il y avait un puits aussi. Alors ça éclaire des suceuses, quoi? J'ai pas compris. Objet récupéré. Bon, ça c'est cool, ils ont fait à l'ancienne en fait. Ça c'est assez cool. Parce que vu que c'est de l'exploration et qu'on peut revenir en arrière pour réouvrir certaines choses avec des objets apparemment. Alors je ne sais pas si c'est que bonus. Mais... Ah, il est de l'autre côté. Coucou, je suis planqué. Sympa! Eh, c'est stylé ça! Putain! C'est pas un village de merde, hein! C'est une petite statue là de. C'est marrant parce que. Un peu bizarre, hein, quand même. La lumière! C'est pas des vampires ça! C'était plutôt bête, donc. Genre des hommes bêtes, carrément. Genre lycanthrope, tu vois. On en parle en plus parce que là, y a un petit texte là, un petit laïus qui dit. Lycanthrope, venez me bouffer la... venez me bouffer ce que je pense. Faites-vous plaisir.
Donc c'était un peu space. Château Dimitrescu. Ah, nice. Enfin, des gens civilisés. Et ça, c'est quoi, le lieu de cérémonie? Ah, je suis pas sûr que je vais aller au lieu de cérémonie. Après, c'est des licans qui sortent le jour, donc en fait, c'est un nouveau type de... C'est un virus de merde, toi, ça. C'est quoi, ce bruit? Ah, c'est toi qui fais ce bruit-là? Excellent. Oh! Blasphémateur! Ah, fallait pas que je tape les chèvres? Ah, merde. Ces chefs protègent notre village et ses habitants du mauvais oeil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Ah, merde! Bon, bah, trop tard. Attends, on entend des corbeaux, mais... Ils sont où, les corbeaux? Attendez. Bon, est-ce que c'est comme dans Hero 2, Hero 4? La fin justifie les moyens. Comment ça, la fin justifie? Ah! Hero 4 style! On va lancer des grenades sur les... Sur les packs de... sur les packs de corbeaux. C'est des collectibles. Dimitrescu. Ah oui, j'avoue, attends. Je récupère des... C'est quoi? Des lei. C'est des lei, calmez-vous. Alors, les lei, c'est en Russie ou c'est dans un pays de l'Est? Toi, tu me dis que c'était la Russie? Izumi? Pas taper dans les chefs, c'est balbu, ouais, j'avoue. Ah! C'est ça. Je veux ça! Ouais, c'est plutôt la Roumanie, ouais. Les lei, parce que c'est des roubles en Russie. On est plutôt dans les pays de l'Est, là. Oh! J'imagine que ça mène au château. Bah, en fait, c'est fait exprès, de toute façon, Roumanie, Transylvanie, vous voyez. Vous voulez le lire ou pas? Ah, attends. Est-ce que je peux fabriquer une petite potion magique? Oui. Attends, encore une? Allez, trois potions, comme ça. J'ai ma potion magique. C'est des Roumains des États-Unis. C'est des Roumains de... Bah, pour l'instant, c'est des Roumains, ils parlent en français. Pour l'instant, c'est raccord. Je vois pas le problème. Pour l'instant, c'est raccord. Parce que les Roumains, ils parlent français, si vous savez pas. Enfin, ils peuvent apprendre le français. Mais traditionnellement, à l'époque, ils parlaient le français. Hein. Donc là, il y a une baraque là. Attends, cimetière, Syrie, la forteresse. Ouais, Stronghold, c'est la forteresse. Ah, c'est le symbole qu'on avait vu. Mais attends, mais ça bouge? Non. Non, ça bouge pas. Ah, je vais claquer. Ah, faut trouver des pignatas, c'est ça? Après, il suffit des... Ça, ça va me faire chier, ça. Ah. Oh! La chanson des Wisher. Lay, 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 lay. C'est ça? Lay, 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 lay. Donnez-moi. Les fameuses piñatas roumaines, mais oui. Attendez, je regarde un petit peu, hein, j'observe. J'observe parce que c'est quand même sympathique, hein, franchement, le décor, je l'aime bien. Il est assez fouillis, t'as envie de t'y promener. T'as envie de t'installer, vous voyez, parmi les tombes. Ok. Donc, la suite, ça a l'air d'être par là.
plutôt ici, non? Le truc de la sorcière. Oh. Ah, machine à écrire. Ah, mais c'est une chapelle, c'est pas une église. Où tu m'as dit une église? Morceau de relief, vierge. Il y a un truc écrit là, non? Non, son, hum, khala, waba. Ah, je comprends mieux le visage. C'était un masque en fait. Ah, bonjour. Franchement, c'est stylé. Ah! Ne serait-ce pas Chris Redfield? What the fuck? Ça, par contre, ça a l'air dégueulasse, ça, là, là. On va pas la prendre dans son sac, la machine écrire, j'avoue. Ouh, une petite carte. Et... Regardez la gueule du truc en bas à droite, là. J'ai envie d'aller à la maison de Monsieur Bouffy. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un se trouve en église, l'autre... Ah, ils appellent ça une église. L'autre a été confié à Louisia. Hmm. Vous êtes ici. C'est ça. Attends, mais je peux pas la prendre. Non, mais... Chris, fais un effort. Fais un effort, Chris. Bon, alors, attendez. Du coup, faudrait que je descende. Ouais, bon, on va allonger la bouche, quoi. On va allonger la bouche. Coucou. Thank God. Je vérifie. Ok. Quelqu'un s'est dit que les joueurs sont des débiles mentaux, donc toutes les énigmes, il y a un bout de papier avec la réponse dessus. Ah bon? Bon, ça, c'est pas la première fois, ça. C'est pas la première fois, ça. Putain, j'ai bien mis la bonne langue. Ok. Regardez, une heure de jeu. Ça fait 3 heures qu'on est en stream, une heure de jeu. Toi-même, tu sais. C'est comme ça, bon, t'as pu streamer le jeu. Même pas. Ouais. Vous venez à Mourante, mais peut-être que... Hein. Elle, elle connaît les pinatas, elle en chevauche tous les jours. Attendez, il y a un bruit. J'ai entendu un bruit. Ah, on aurait dit, vous avez vu une maison un peu limite. Alors, il y a un clocher, du coup, ça fait pas nordique, mais limite, là, les couleurs, vous voyez, en bleu, comme ça, là. Je sais pas, ça me fait un peu penser. Là, regardez, vous avez juste une image comme ça, là. Peut-être pas avec la fenêtre. C'est presque nordique, quoi. Ça serait dans un univers nordique. Ah, il y a une piñata. J'ai cru entendre une piñata. Non? Vous pensez que ça fait quelque chose si je tire la cloche? J'ai même pas envie de dépenser une balle. Je vais le regretter après. Il n'y a pas un bruit de piñata? Ah, moi je vais devenir fou. Là, on peut pas passer logiquement. D'avoir une corde à tirer, ouais. C'est une bonne théorie, monsieur Grenchad. Mourante, elle stream pas RE8, elle stream un let's play sur YouTube dans le coin de son stream pendant qu'elle chevauche sa piñata dans sa piscine. On va appeler ça une piñata. Qu'est-ce que vous en pensez? Les piñatas. Ok. Elle va relancer le commerce des piñatas en fait. Piñata.
Pas mal, pas mal. J'approuve. Tu as le cil... Oh, j'aime pas trop ça, là. Tu as le cil Yuchi. Yuchi approved. Ok, il y a un connard. Tu peux voir un connard. Par contre, ils m'ont donné une mine. Ils sont ouf ou quoi, les mecs? Ils m'ont donné une mine. Sérieux? Une mine antipersonnelle. Avec les trampolines. Putain, mais ça devient... ça devient une interaction, le bordel. Putain, mais le jeu, il est même pas capable, vous savez, de faire ce que faisaient les vieux jeux, c'est-à-dire... Dans Hero 4, je crois que quand tu faisais ça, en fait, il te redonnait l'objet que t'avais... que tu gênais. Non, je crois pas qu'il y ait de mine dans Hero 4. Par contre, il y a des grenades. Grenade style. C'est un frisbee lunaire, quoi? Qu'est-ce que c'est raconté? Ça prend pas tant de place que ça, en fait. Apparemment, je vais devoir peut-être me réfugier. Oui. Par contre, si je fais ça, je tire un sac de sable et qu'après je lui tire dans la gueule, là... Je gagne peut-être du temps. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? C'est un Sailor Moon. Ah, frisbee lunaire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc genre là, il me dit que j'ai pas tout trouvé, mais c'est parce qu'il y a la machine à écrire, je suppose. Sauf à l'extérieur. Faut être plus attentif avec ça. Putain, mais il y a des bruits, mais c'est les planches, c'est le bordel. Putain, mais t'as tellement pas envie d'y aller, là. C'est quoi ces bruits de la maison, là? Un trésor dans la chapelle? Ah, on va regarder. Faut un coupe-coupe. Coupe-coupe. Moi j'ai un coupe-chou. Bon, j'ai un petit coupe-chou. Je sais pas pourquoi l'expression, vous savez, coupe-chou. Enfin, je comprends, tu vois, littéralement. Mais quand les mecs, ils sortent une machette et tu fais regarde, ça c'est mon coupe-chou, tu fais ah oui, quand même. Putain, ils sont gros les choux quand même, hein, chez vous. Ah! Fragment de cristal. Ok. Bah, la corde, je sais pas où elle est, en fait. C'est du mytho, en fait. Comment on sonne la cloche? Attendez, je vais sauvegarder. J'ai tiré dessus. Parce que je suis con. C'est pour ouvrir les huîtres, ton truc. Oui, j'avoue. J'avoue que ça va pas très aller. Je vais pas aller très loin. Ce serait vraiment qu'on puisse le lancer, vous savez, comme un boomerang. Là, il revient. Ah, ça a rien fait. C'est une fausse cloche. On s'est tous fait avoir. C'est une fausse église, c'est une fausse cloche. Chut, je suis caché. Je suis caché. Faites pas de bruit. Faites pas de bruit. Bon, j'espère qu'il me repère pas automatiquement, ces connards. Comment on monte dans le clocher? Une prête pour des cloches, un peu. Un peu. Allô? Qui c'est qui joue dans les fourrés? Je vous entends, me prenez pas pour un con, hein. Tu peux passer? Puis c'est de la ferraille, là. Putain, mais on les entend, c'est énervant. On les entend, mais on les voit pas. Ça rend ouf.
Je viens juste de lancer une grenade. C'est sûrement des fourmis. Monsieur, comment on appelle ça? Monsieur réaliste. C'est sûrement le son des planches qui grincent. C'est rien. Gay, il y a 10 niveaux ce soir, ils aiment tous la main, notre cul pourrait peut-être monter au-dessus. Qu'est-ce que ça sent? Peut-être. On n'est pas sûr. On n'est pas encore sûr. On n'a pas fait les calculs. Alors j'ai vu qu'il y a une petite cage à oiseaux là à taper. Putain, mais il y a trop de bruit là avec les os là, qui avec le vent là. C'est énervant. Ah si, je tire. Ça s'énerve? Sans déconner, je sais qu'ils sont là, mais ils veulent pas sortir. Je vais prendre un coup de merde. Je vais prendre un coup... Putain, on voit rien quand tu mets la garde, c'est un truc de ouf. Ah, bonjour. Putain, ta race. C'est sérieux, hein? Me faire bouffer. Ah putain. C'est désespérant le flingue. En vrai. Non mais attendez. Le flingue il pue du cul. On est d'accord. Le flingue il sert à quoi en fait à part taper des pignatas en fait et. Ça sert à quoi en fait le flingue? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait il sert à quoi le flingue? Parce qu'en fait il sert à rien. C'est un gun à billes, on est d'accord. La parade main contre, contre machette. Tu connais pas ça? C'est une technique ancestrale. Ah, je crois que j'ai tout ramassé ici. C'est une technique ancestrale, voyons. C'est n'importe quoi. T'as refusé un airsoft? Mais franchement, il est nul le flingue. Il est où le marchand là? J'ai besoin d'une vraie arme. Donnez-moi une vraie arme. Je pense que je vais les faire chier, je vais les attirer. Et je vais poser une mine. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste pour tester. Et ils m'ont suivi là? Là, je fais du bruit là. C'est bon, vous me suivez là? Ah, si je me suis enfermé comme un con, je suis... Coucou! Je suis ici! Ah, attendez. J'aimerais pas marcher dessus, hein. C'est one shot. Je veux juste savoir combien faut de balles pour tuer un ennemi là. Un trash mob là, parce que c'est n'importe quoi. Je me rappelle, c'est des trash mobs. Hein. Sacré shard. Ouais. Ça pique un peu. Ça, je peux pas le passer? C'est vraiment un scandale ça.
ça l'a pas tiré. Attends, mais ils sont où? Tu sais qu'il y a des dégâts localisés dans le jeu? C'est ridicule le nombre de balles qu'il faut. Par contre, les mouvements sont excellents, les ennemis. Ils sont excellents pour te casser les couilles. J'espère que c'est pas Rogen, hein, mon bouffon. Je suis vexé. Nul. Eh ben dis donc, 20 balles pour tuer un ennemi. Je crois qu'on va rester au fusil à pompe. Ça m'a fait bizarre quand j'ai entendu de l'anglais. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house, and she's not answering, and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Il a pas l'air en point, hein. Enfin bah, bien en point lui. Il a mal en point. Jusqu'ici. Alors on n'a pas compris, il y a Gunshot. Enfin je sais pas si t'as fait le set déjà. Pour savoir l'histoire de Ethan. Ethan Hiver. Tu as vu le 7, d'accord. Bah en gros, ils nous ont... Enfin voilà, il y a Chris Redfield qui est venu nous rendre visite. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça se passe 3 ans après les événements du 7. Et Ethan vit avec sa femme Mia. Même s'il a tué toute sa famille. Et ensuite... Ah, quoi? Il y a un truc à utiliser ici? Ah, mais c'est le deuxième truc, là! Mais fais péter ça, là! Fais-moi péter ça, c'est pas le deuxième cercle dont j'ai besoin. Et du coup, il a subi un entraînement par Chris pendant 3 ans, apparemment, militaire, d'après ce que j'ai compris. Donc normalement, Ethan s'est visé et s'est tiré, mais bon... Tout est relatif, hein, vous allez voir. C'est un tireur d'élite, mais par contre, il faut 20 balles pour tuer un ennemi. Come on, it's clear. Ouais, c'est déjà sa femme, hein, monsieur. Hurry, hurry.
Et du coup, ils ont un enfant. Qui a même pas un an. Qui a peut-être 6 mois. Et d'un seul coup, il y a Chris qui débarque et qui tue sa femme. Tout va bien. Et qui vole son gamin. Son gamin. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Bien sûr que si, Zumi. Ils sous-entendent que c'est sa sœur, Zoé. Ils sous-entendent que c'est sa sœur. Après, peut-être qu'il parle de famille, tu sais, dans le sens. Just hold on pas lié par le sang, mais. Oui, mais plus loin, après, tu sais, il parle que Zoé, c'est sa sœur, etc. Hello? Anybody home? Maybe a familiar voice. Ah oui! Louisa, Mia, c'est celle qui s'est échouée avec le bateau. Ouais. Mais tu sais, il parle de famille, tu sais, dans le sens. C'est un peu vicieux. Tu parles de famille dans le sens welcome to the family, tu vois, maintenant que t'es contaminé, tu fais partie de la famille. No, they'll smell the blood, you'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. Bonjour. This way. You're not from this village. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. Hey, Ethan, I said go. Oh, coup de pression. Attention, je t'observe. Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. C'est vrai qu'ils ont un accent si c'était roumain. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas trop retrouvé sa trace. Même Miranda nous aurait-elle abandonné? Petite photo. Petite photo de famille. Non mais je m'en fous, je suis en train de regarder les photos de famille. Et donc ouais, donc il se fait enlever avec sa fille, alors qu'ils ont tué Mia. Et du coup il se retrouve échoué parce que le camion qui le transportait lui a été échoué dans la neige. Il a été attaqué quoi. Il a été attaqué. Et il se retrouve dans un village où tu as des gens qui ont des petits problèmes de poussée de poils et d'hormones, tu vois. Come inside, the others are waiting. Et maintenant ils cherchent son bébé. Outsiders, you're gonna get us all killed. Right. Là, ils vivent en Roumanie. Help Leonardo and Elena. Apparemment. Please, Ethan, take a seat. Mais ils vivaient en ville quoi. Enfin, ils avaient une baraque quoi. Venice Beach. From your entire village. Enfin, ils vivaient en ville, on sait pas trop, mais en tout cas, ils avaient une baraque moderne. There is no one left. A worthless invalid. A stupid, wailing bitch. And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Bah, c'est un Roumain, Izumi. Hein. Il perd son sang sur la table, c'est pas grave. Hein. C'est des guerriers, hein, les mecs. Oh, c'est une petite blessure, c'est rien. Le mec, il se tient ses viscères, tu sais, avec la main. Et ça, y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Tant qu'elle tombe pas par terre, plus de 30 secondes, on peut les remettre en place. Cette maison a protégé ma famille pour des générations. Et drunk ou pas, vous êtes tous bienvenus et safe in here. Whatever. Moi, je propose qu'on le sorte. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No.
No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Je crois qu'il y a un cadavre sur le canapé, je suis pas sûr. Et la personne sur le canapé veut pas venir. Le père, il est en train de crever là. Hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice. C'est quoi cette religion que je connais pas? Oula. Ça va, monsieur handicapé? Il galère. Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean a hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. Est-ce que je peux voir monter tranquille? What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Wow! C'est pas là qu'on range la machette! Ok! Ferme la porte! Sors ton flingue! J'ai le sens que j'ai tiré des balles pour rien. Let him go! Oh! Remington? Oui! I said no. Oh my god. I'm so sorry, father. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here together. Je vous connais pas, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est ma nouvelle forme. I gotta get out of here. Trouver la clé de la BM. Ici. Je fais mes courses, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, ça c'est bien, ça. Tu as besoin d'un tournevis, prends celui qui quoi? Dans les. Le porte-clés. Un pot d'or. C'est bon, j'ai chopé le pot d'or, on peut partir. Dans le porte-clés. Dans le pot à clés là, il est où là le. Aveugle man. Pendant que la maison prend feu, on va exploser avec tous les produits d'entretien là. On est venu à une soirée nanar chez Yuichi. Ah bon? Bah, série B quoi. À moins que ce soit ça.
suis caché. Ouais. Mais elle dit quoi? Attends, le porte-clés. Mais il est où ton porte-clés? Ah. Par contre, j'ai la clé du pick-up. Ouh. Ah, je peux l'ouvrir. Ah, c'est ça un porte-clés? D'accord. Bon, bah, j'ai le tournevis, moi. Je vais pouvoir démarrer le contact. Attendez, j'ai la clé. Damn, the fire's moving fast. Le tournevis. Ah non, attendez. C'est pas ça. Salut le love, comment ça va? C'est porte-clés roumain. Non, je pensais que tu irais vraiment genre un tableau, enfin un truc avec. Pour poser des clés quoi. We can bust out with this. Léon style. Regarde, elle est là, je te montre comment comment on conduit. T'es prêt? C'est parti. Bam. Léon Kay. Léon Kennedy, c'est moi. Il a réussi à la faire tomber? Comment il a fait? Le con. Ah non, mais il l'a fait tomber ou pas la bagnole? Ah non, il l'a pas fait tomber. Bon, bon, on est mort. Grab on, hurry. Mettre le chat en mode follower. Mettre le chat en mode sub. Sub only. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Bah ça va, écoute, enfoirouse, tranquille. Et toi? I hope your family is safe. Essaye de survivre. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Vous avez tous raté la meilleure scène du jeu là tout à l'heure là. Où pendant une heure je mourrai en boucle. There, that's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. Ah bah moi je suis déjà décaloté, hein. Je suis déjà à poil, l'enfoiré. No, the place is full of nothing but blood and death, and I don't want to be alone while your father. Non, non, c'est la première fois que je joue. Je l'ai mis en hard direct. J'ai pas le temps de niaiser. Not anymore. He said my name. Wait, it's not safe. Mais tu lui as mis un coup de Remington tout à l'heure. Pourquoi tu veux le sauver? Come on, give me your hand. Mais c'est mon papa. C'est mon papa. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Ethan, t'as déjà une femme, c'est pas grave. Déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plus de femme, merde, je suis con. Je dis ça, mais il y a plus de femme. Je comprends quoi, bon. Ça aurait été sympa d'avoir une nouvelle femme. C'est juste trop much. Damn it. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Pourquoi tu te. Pourquoi à chaque fois mon premier rendez-vous il se passe mal? Why? Dieu, pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à garder une femme? This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Shit. Et dû se faire mal Ethan là en tapant avec ses trois doigts là. Arrête de taper avec ta main gauche, moi j'ai mal pour toi là. Attendez, j'ai oublié un objet. J'ai oublié ma pompe à vélo. Ah, ça. Ah oui. Putain, ça brûle vite l'huile là. Vache. Ah, attaque mon tournevis, je peux pas ouvrir ça. Eh oui, tournevis. C'est pas le deuxième.
pense que j'ai deux reliefs pour pouvoir. Enfin, les deux trucs. Ah! Ça tire! Merde, je vois rien. Alors, je pense qu'il a gagné. Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Bonjour. Attendez, si je cours, est-ce que je les rattrape? What was that? Bon, je comprends qu'Ethan, il a pas voulu courir après la direct. Il s'est dit, bon, peut-être que celle-là, je vais peut-être la laisser tranquille. Elle vient de craquer la nuque de quelqu'un à main nue. Je vais peut-être... celle-là, j'ai peut-être pas la draguer. Je comprends. Je comprends que sur l'instinct de survie, s'il dit, ouais, peut-être pas. Je vais peut-être me calmer. Peut-être me calmer et arrêter de draguer les roumaines parce que ça se passe mal. Que voulez-vous, whisky, Tan? Vous voulez un whisky? Deux doigts seulement. C'est ça? Juste deux doigts. Non, mais vous voulez pas un whisky avant? La base. C'est la base. Hop. Je fais zigzag pour pas qu'ils me poursuivent. Je suis en train de les mystifier là, les ennemis. De se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con? Pourquoi il saute des barrières? Regardez. Et hop! Et hop! Et hop! Il veut pas que je lui tire dessus. Yes. Death has visited them all. Tu vois mon gros pistolet? Je lui frotte la joue avec mon pistolet. C'est un beau dessin, mamie. Bon, maintenant, faut rentrer à la maison. Par contre, il y a quand même un artiste, parce que ceux qui ont fait ça avec de la peinture sur les murs, c'était bien fait. Tu recolles le bras avec de l'eau oxygénée, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est un détail. Bah, en fait, après, là, le problème, c'est que ses doigts, ils sont partis dans l'estomac de quelqu'un, donc en fait, on peut plus les recoller. Non, on peut pas. Enfin, je crois pas. Peut-être avec le couteau, là. Là, oui, j'appuie, là. J'appuie, je crois pas. Ah. Parce que là, si j'essaie de viser, en fait, il retire la crosse, en fait. Ouais, non, j'appuie. Ah, c'est pas Dark Souls, on peut pas tuer les PNJ. En tout cas, ceux qui sont importants. Paf! Pourquoi ce serait une vierge? Attends. Bah si, je le mets. J'aurais dit inverser les deux parce que ça serait rigolo. Ouais, total découverte aussi. Tuto bientôt fini. Et oui, maintenant on rentre dans le. La ville supérieure, c'est ça. Attends, ça c'est la forteresse. C'est ça. Just blood and death. Alors le flingue il sert qu'à ça. Voilà. À tuer des. Tuer des corbeaux. Je vous annonce, hein. Sert pas à autre chose. Hein. Qu'est-ce que. Ah, j'ai cru qu'il y avait vraiment un truc au bout de la ligne, tu sais. C'est comme ça qu'ils pêchent en Roumanie? Attendez. Je comprends pas. Appréciez ce gothi incroyable. D'accord, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, maintenant que je me suis trempé et que je vais mourir de froid,
Est-ce qu'il n'y a pas un objet qui traîne dans les... Non, je suis pas impatient. On rentre dans une forteresse, là. Ah, changement d'ambiance. Ah, je rentre par la cave, bonjour. Ah ouais. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh. C'est ça sa première question? Even better. Wow! Mais arrêtez! Mother Miranda is gonna love you. LOL, c'est Magneto. Putain, c'est les X-Men en fait, je savais pas. C'est trop bien. Wait, you're whining. We're almost there. Bientôt Wolverine, ouais. Bon, par contre, j'en ai marre de me faire marave. Est-ce que je pourrais me défendre un peu? The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal to house. Dégueulasse. My daughters and I will deliver to you. Dégueulasse. Non, non, en fait, finalement l'autre, c'est mieux. Tell you shut the fuck up. What? Where? You mean you'll screw around with it in private? Where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, hey, bro. Gauche. What do you care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! Go find your food somewhere else. Quiet now, child! Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. Les plus grands que toi. Hein. Pas les plus grands que toi. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. Ah non, laissez-moi ah, tranquille. Let's see what you have. Ethan Winters. Get ready. Non. Ken. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Tiens, Ethan, tu me tues. Ethan, tu me tues. Jesus Christ! Check mes mains là! S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Very nice, Ethan. Pourquoi il y a des haut-parleurs là? Mais non, mais c'est une blague. Entre les jambes, entre les jambes! Bon, alors pas entre les jambes. Putain, on est une victime! Excellent! Oh putain! Oh l'attraction! Oh! Ah, je crois que je suis pas tombé au bon endroit. Ah! Ok! Le Père Noël! C'est le Père Fouettard!
Bon, je sens que je vais mourir, hein, j'annonce. Là. Non, s'il te plaît, Ethan, fais pas ça. Tu me rends ouf avec ça. Ça va, j'avais le tour. Je vérifie s'il n'y a pas un objet que j'ai raté. J'attends jusqu'au bout, non? Je suis curieux. Je peux y aller ou pas? Non, on peut pas. Est-ce que je peux OB? C'est Hagrid. C'est Hagrid quand il s'est... Quand il sait pas, il vient de se réveiller. Pète ça là, pète ça! Je déteste le jeu. J'avais pas vu. J'avais pas vu, j'ai essayé de taper la caisse 3 fois et il veut pas. Il a pas encore vu son vin blanc, c'est ça? Par contre, stylé, hein, avec toutes les paires d'ailes, là. C'est vraiment Lucifer, hein. C'est le passage où t'es mort le plus de fois, oui. Ah, on peut pas me battre... On peut pas battre le nombre de morts que j'ai eu tout à l'heure. En fait, tu voyais, là, faut appuyer sur A. Enfin, A. Pour moi, c'est X. Mais putain, c'est... C'est genre abusé, quoi. Genre le trigger il est abusé. Voilà. Oh putain, cette reprise de volée quoi dans la gueule. Bon déjà la gueule d'Ethan doit ressembler à une pastèque éclatée trop mûre. En vrai il devrait plus avoir de gueule hein. Coucou, vous m'aidez? Non, y'a pas. Non, je regarde, non, y'a rien. Eh, hey, y'a des trucs au plafond, j'avais même pas vu, putain. J'avais même pas vu. Bon alors, comment on fait? Ah! 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 Connard. For the beautiful, blood-soaked grand finale. Le mec il s'est fait chier à créer des pièges là. Wait, do those freaks have Rose? Noblesse oblige, c'est-à-dire. J'ai un trophée noblesse oblige. Ah par contre il m'a laissé mes... Ok. Nous sommes bons. Par contre si tout est en fer on est baisé non? C'est bon, il y a encore un piège là. Ah avant de trouver le petit endroit. Ah bah tu sais c'est... En fait le problème c'est que t'as l'impression que tu peux briser, tu sais il te dit à briser et en fait ça sert à rien. Je peux pas le faire. Oh putain. Ah oui quand même. Ouais, alors en même temps, tu sais, bon, si je me dis en Pharos, tu vois, je crois qu'ils s'en battent un peu les couilles que t'es tes armes ou pas, parce que je suis sûr, les... Tu vois, lui, les balles, il les arrête, c'est Magneto, donc tu vois, ils disent, oh, pff, qu'est-ce que tu veux retirer ses armes. Même ça l'arrange, tu vois. Si tu gardes tes armes sur toi, il peut te manipuler, tu vois. Il n'a même pas besoin de ces pièces de métal, là. Si tu mets ton pétoir dans ton froc là, il peut te faire voler. Ah bah je suis revenu là. Et là paf, il me retape et c'est reparti. Bon. Il a survécu une première fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du pain et des jeux. Mettez-le dans le... In the game.
sympa.